Salut Piu-Piu, Patoche, c'est Obi. Alors, bah oui, me revoilà avec la montagne. D'ailleurs, la dernière vidéo, c'était numéro 50 et 51. Et ça date du 18 mars 2023. Voilà. Alors, du coup, bah, aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va faire celle-là. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo bah, vous plaira. Vous laissez-moi un commentaire là derrière, voir s'il y a des trucs à changer ou pas. Alors que dire d'autre? Bah, écoutez, on va attaquer sur le fascicule, mais avant toute chose, pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous le désirez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou vous appuyer sur la petite cloche comme ça vous êtes prévenu quand je vous mets une vidéo. Le petit like et laissez-moi un commentaire. J'y réponds. D'ailleurs, c'est avec grand plaisir que je le fais. Voilà. Allez, c'est parti pour le fascicule. Numéro 52. Le porte-à-porte. Donc, on nous explique plus ou moins l'acheminement, leur façon de faire l'acheminement du départ d'un colis jusqu'à son arrivée. Donc, le train essaie d'avoir au maximum ce rail. Et le reste, ben, où le train ne peut pas passer, ça sera par transport routier. Après, ici, nous avons savoir conduire la 241P. Voilà, et nous avons le montage de nos pièces. Et là, ici, c'est l'assemblage de la pompe bi compound et installation. Voilà. Voilà, dans le numéro 50. De 3, on aura l'installation marchepied, voilà, installation marchepied avant et autres détails du châssis. Voilà, donc ici, j'ouvre le sachet avec toutes nos pièces. Alors, en partant du haut gauche vers la droite, nous avons le radiateur, on a un support, bloc du compresseur. La boîte de raccordement, on a deux joues, on a support, on a un cadre, tubulure et on a nos trois sachets de vis. Alors, comme pour moi, ceux qui ont une mauvaise vue, on n'oublie pas ces loupes et l'huile pour le lubrifiant. Alors, étape 1, là, on va installer les deux joues sur le support. Donc, les deux joues 52E sur le support 52F. Et on va aussi placer la boîte de raccordement, le 52D, sur notre compresseur 52C. Voilà, je vais commencer par la boîte de, comment dire, la boîte de raccordement. Voilà, avec notre compresseur. Et pour fixer ça, il me faut donc deux vis IP. Un petit serrage sur les vis. Alors attention, hein, c'est du plastique, donc serré, mais pas. Voilà. Donc là, ma boîte de raccordement est fixée sur mon compresseur. Maintenant, ce que je vais faire, je prends le support, je vais mettre les deux joues. Il faut vraiment des petits doigts, des doigts de fée. Voilà. Alors, je mets mes deux joues de chaque, enfin, une joue de chaque côté. Et ce que je vais faire après, c'est venir les presser, voilà, avec mes doigts. Et on entend un petit clip, ça veut dire c'est tout fi, c'est tout mi, c'est tout bon. Voilà, c'est fait. On va fixer nos deux pièces, donc le compresseur et le support ensemble, avec deux vis FP. Donc on prend, voilà, support. Et on vient le mettre à l'intérieur. On va chercher nos deux vis FP. Hop. Et on vient visser. Voilà. En plastique, hein, attention au serrage, voilà. Bon, compresseur et son support sont fixés ensemble. On passe à la suite. Alors, étape 2. Ici, on va continuer sur bah, l'assemblage de la pompe. Compound. Alors, on a besoin, ouais, donc de notre pièce 52C, qui est le compresseur. Ensuite, on a le
52A, qui est le radiateur qui va se mettre en dessous. Et entre deux, pour maintenir ces deux pièces, il nous faut le 52B. Alors, il y a son petit sens. Il y a un détrompeur et un emplacement, un trou pour mettre notre vis FP. Alors, on positionne, voilà. Et l'assemblage avec notre vis FP. FP, plastique, pas d'huile à mettre. Voilà. Donc, notre pompe Kompun est préassemblée. On passe à la suite. Voilà, oh là là, le châssis poussiéreux. J'en suis désolé, mais plus d'un an que je ne l'avais pas sorti celui-là. Enfin, presque un an que je ne l'avais pas sorti. Voilà, donc notre étape 3. Il va falloir qu'on installe avec vis IM ici notre support de compresseur. Voilà. En étape 4, on aura la fixation justement avec des vis FP et on termine avec la tubulure. Donc vis IM, un peu de lubrifiant pour venir fixer notre pièce. Voilà. Hop. Le support compresseur installé. Et maintenant, on va installer le compresseur. Alors, sur la droite, on a, sur notre compresseur, on a un détrompeur et on a un trou pour venir y mettre notre vis FP. Voilà, c'est installé. Maintenant, la tubulure. Voilà, la tubulure est mise. Alors, on voit pas trop bien la vidéo, j'en suis franchement désolé. Voilà, numéro 52, enfin terminé. Alors, si vous avez des remarques à me faire, surtout faites-le. J'essaierai d'y remédier. Voilà. Que dire? Bah, on se retrouve bientôt donc avec le numéro 53. Je vous embrasse toutes et tous très 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 fort. Et comme je le dis toujours, surtout, surtout, portez-vous bien. Voilà, ciao, bisous à tous et à très vite.